Eh bien salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Avez-vous déjà vu ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Garry's Mod, tu peux nous expliquer ce que c'est rapidement s'il te plaît ? Alors Garry's Mod c'est une sorte de jeu de construction téléchargeable sur PC, il n'y a pas d'histoire ni de but à proprement parler, c'est plutôt un vaste bac à sable où presque tout est permis, les différents outils à disposition offrent une grande liberté de création qui n'a de limite que votre imagination, pouvant ainsi fabriquer des mécanismes complexes en reliant des objets entre eux. Merci d'avoir lu jeuxvideo.com, merci. Bon j'ai envie de dire, testons ce jeu, lançons une partie, on arrive sur une des maps emblématique de Garry's Mod, hein, bien évidemment, c'est la map la plus connue, et il y a strictement que dalle. Putain, mais y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, faut trouver une clé, y a des ennemis, je sais pas, y a quelqu'un? S'il vous plaît, je veux juste savoir s'il y a quelqu'un. Non. Bon, dans ce hangar, y a peut-être un monstre, je sais pas, quelque chose. Non, y a strictement que dalle, d'accord. Bon, il n'y a rien du tout. Et bon, c'est après une demi-heure que j'ai découvert que mon espèce d'arme que j'avais me permettait d'envoyer des lasers. Alors au début, j'étais persuadé que c'était pour tuer quelqu'un, mais vous allez voir par la suite que ça a une grande utilité. Mais 15 minutes après, j'ai trouvé autre chose. Une touche, hein, qui m'a permis d'ouvrir ce menu contextuel qui est vraiment sublime, c'est-à-dire que vous avez tous les objets de Half-Life 2, de DF Defeat, de Counter-Strike, la plupart des jeux sources, j'ai envie de dire, et ça vous permet de tout faire apparaître. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver avec un château d'eau, une roue, une cagette, un tonneau, une table, une armoire, une plus grande armoire, un abat-jour, un carton, un truc que je sais pas ce que c'est, un parpaing, une chaise et une baignoire. Bon, en plus de tous ces objets, t'as aussi des personnages, hein. Qu'ils soient vivants ou morts, tu peux tous les faire apparaître. Et moi, j'ai envie de le faire tourner quand je vois ça, tu vois. Yaha ! Oh, pardon, monsieur. Bing dans ta tête! Bing dans ta tête! Bing dans ta tête! Bing dans ta... Tu sais que t'as l'air con, là, quand même, hein. Attention, monsieur! Attention, il y a un mur! Monsieur! Monsieur! Monsieur, il y a un mur! Monsieur, le mur! Ouais, puis il faut dire que le jeu est quand même superbe, hein. J'ai envie de te dire, tu t'inventes ta petite histoire, ton petit scénario, tu sors, tu butes tous les mecs que t'as fait spawn, là, tu fais des millions de morts, t'as aucun remords, c'est des clones, on s'en fout! Et après, tu comptes les corps. Ah, j'adore! Un peu plus tôt, je vous parlais de ce fameux pistolet laser, enfin, je sais pas trop si on peut dire que c'est un pistolet, mais enfin, bref. Tu peux, donc, faire spawner des objets, et ensuite, les relier entre eux, les coller, les figer, et tu peux créer ceci. Eh oui, une cage. Ah, t'as l'air con maintenant, hein. En plus, il s'est même pas tiré à travers la cage. Bravo. Ah, mais je te jure, tu peux bricoler des trucs, mais phénoménal. Par exemple, on part de ce cylindre. On prend une table, hein. Jusque-là, tout va bien. On prend ensuite un petit pistolet qui va nous permettre tout simplement de mettre des cordes, hein. On les ajuste bien aux angles, etc. Et ensuite, on prend un deuxième outil qui nous fait spawn des ballons. Hein, et vous allez me dire, mais pourquoi des ballons? Eh bien, on est en train de réaliser simplement une montgolfière! Eh ben oui! Faut être créatif un peu, hein. Et hop, c'est parti, on s'envole. Et la montgolfière fonctionne, on est des professionnels! Génial! On s'envole! Et merde. Y a un truc que j'ai mal dû calculer. Bon, il y a un aspect important aussi dans ce jeu, les amis, c'est la communauté qu'il y a autour, la communauté de modeurs qui font énormément de mods. Par exemple, je viens de découvrir ce petit mod, c'est une bombe nucléaire, je vais le faire tomber là-dessus, et c'est parti! Quoi? Mais pourquoi elle a peut exploser? C'est quoi ce bordel? Non mais, attends, c'est une blague, c'est censé être une bombe nucléaire! Non mais oh! Eh merde! Bon allez, découvrons la compilation des mods! Eh bien salut à tous les amis et bienvenue dans cette émission intégrée au Avez-vous déjà vu qui vous sera facturé 10,99€ plus coût selon l'opérateur. Et maintenant, eh bien nous allons vous présenter de nouvelles horizons, de nouvelles technologies dans Garry's Mod. Nous avons pris tous les risques, mais compère et moi, j'ai envie de dire. Expérience numéro 1 ! L'arc-en-ciel. C'est beau, non ? Expérience numéro 2 ! Alors ça, c'est un lance-roquette. Alors si tu le places bien, franchement, ça peut être sympa. Avec les touches du clavier, tu lances les trucs et tout. Bon, bref, c'est pas mal. Expérience numéro 3. Alors là, c'est un tourniquet, les amis. Ah oui. Ah non, mais ça décoiffe. Bah vas-y, si t'es un homme. Expérience numéro 4. La catapulte.
Ah, ça envoie loin quand même, hein. Expérience numéro 5. Ça, c'est un pénis. Ah oui, 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 mais c'est un pénis explosif, hein. Ah oui, non, mais ça marche. Eh merde. Expérience numéro 6. Fuck. Expérience numéro 7. Bang. 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 Expérience numéro 8. Ouais, on avait dit on mettait pas ça dans la compile, bordel. Pas devant les enfants, Jean-Guy. Après, après, mais pas devant les enfants. Expérience numéro 9. Tiens, tu veux prendre l'apéro, pas hein. Prends ça, prends les chips. Tiens, t'en veux aussi, toi. Tiens, mange ça. C'est bon, hein. Expérience numéro 10. Coucou, toi. Ça va, toi? Ça va? J'ai débloqué la nuque, hein. J'ai oublié de te le dire. Mais tiens, prends ça. Oh putain. Oh la vache. Ça, c'est de l'explosion, mon gars. Expérience numéro 11. Maître Yoda a lancé une prophétie un jour. Trois hommes en blanc viendront avec des cartons. Je dois défendre l'honneur des Jedi. Tiens, mange ça dans ta gueule et mange ça dans ta gueule et mange ça dans ta gueule. Expérience numéro 12. T'es fan d'ordinateur, toi? Ah ouais, moi aussi. Tiens, regarde, il y en a un juste là. Dans ta gueule. Prenez des ordinateurs. Et les amis, merci d'avoir regardé cet épisode du Avez-vous déjà vu ? On y reviendra, hein, parce que Garry's Mod, il y a tellement de choses à dire, on pourra faire un épisode numéro 2. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cet épisode, ça me ferait très plaisir. Et puis, j'ai envie de dire, on va terminer par un petit suicide. Hein. Voilà, allez, on se suicide sur cette musique de Vuvuzela. Très entraînant ! Oh putain ! Oh, je suis pas mort ! Fiesta ! Je suis même pas mort, quoi, c'est la classe ! Yeah ! Je suis pas mort ! Oh putain, merde ! Oh, je suis toujours pas mort, oui! Bon, allez, salut les amis, salut. Salut. Salut.